Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé d'un sujet de baccalauréat, d'un sujet de maths, qui est tombé donc en métropole le 11 septembre 2020. Donc, ça remonte déjà il y a 2 ans, hein, à peu près, quasiment mois pour mois. Ah oui, j'ai pris un sujet de la filière scientifique, hein, donc qui était considéré comme la filière, on va dire, la plus difficile en termes mathématiques. Comme d'habitude, hein, vous avez bien sûr l'énoncé de l'exercice dans la description, hein, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous prenez simplement l'exercice numéro 1, l'exercice sur les fonctions. Ok ? N'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire d'abord par vous-même ou bien pour lire l'énoncé tranquillement avant de regarder la correction qui va suivre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, on a une première partie. Donc, on vous donne une fonction f de x. On vous dit que c'est 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Alors attention, le plus 1 est en dehors de l'exponentielle. Et puis on donne une courbe, la courbe représentative, c'est de la fonction f. Alors on voit déjà que c'est une fonction qui est plutôt asymptotique. Donc on a en 0, hop, ça passe par 1, hop, 2. Donc on a quelque chose comme ça. Alors, première question. On vous demande de calculer la limite de la fonction en moins l'infini et d'interpréter graphiquement. Donc, je cherche la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Ok ? Bon, bah, on va déjà remplacer x par moins l'infini pour voir si on a une forme à déterminer. Il ne faut pas toujours... hurler à l'indétermination. Parfois, il y a des limites qui se déterminent facilement, directement. Donc, on y va. Alors, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, je mets entre guillemets, ne mettez surtout pas ça sur votre copie. Hein, mettez sur votre brouillon éventuellement. Donc, au numérateur, on va se retrouver avec un 0. Et au dénominateur, on va se retrouver avec exponentielle de moins l'infini. Donc, ça fait 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Oh bah c'est bon, 0 sur 1 ça fait 0, c'est pas une forme indéterminée. Donc voilà, voici comment on va le rédiger. Donc limite quand x tend vers moins l'infini, donc on prend le numérateur. On dit que ça fait 0. Vous pouvez même indiquer 0 plus. Hein. C'est même une petite précision. Ensuite, le dénominateur. Et donc le tout. On est d'accord que 0 plus sur 1, ça fait bien 0 plus. Tout reste positif. Ok, est-ce que ça se voit? Oui. Parce que vous voyez, si l'axe des abscisses tend vers moins l'infini, on voit que la fonction se rapproche de plus en plus de 0. Conclusion. Bah, la conclusion, c'est que x tend vers un infini, en l'occurrence ici, l'infini négatif. Et le résultat, c'est un... réel. Hein, 0 fait partie des réels. Donc, ici, nous pouvons dire que f admet une asymptote horizontale d'équation y égale le résultat de la limite. Donc f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Si la limite, on avait trouvé 3, eh bien on aurait dit une asymptote horizontale d'équation y égale 3. Donc, je donne quand même, on va dire, la forme générale. Donc lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, hein, plus ou moins l'infini d'une fonction f de x, et que le résultat est a, égal à a appartenant à l'ensemble des réels, alors nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale a.
Bien. Bon, d'abord, c'est la première question. Mettez sur pause hein, pour recopier tranquillement, pour que je puisse effacer. Donc là, pas de format déterminé. Alors, deuxième question. Montrer que y égale 2, enfin l'équation y égale 2, est une asymptote horizontale à la courbe CF. Alors, bah, si on veut montrer qu'une équation, ici y égale 2, est une asymptote horizontale à CF, nous devons calculer, comme je l'ai dit, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, est-ce qu'on va faire la limite en moins l'infini ou en plus l'infini? Bah, on a déjà fait la limite en moins l'infini. Ça, c'est la question 1. Donc là, étant donné, et puis même étant donné ici le graphique, on voit très bien que y égale 2, ce sera pour les x qui tendent vers plus l'infini. Donc on va déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Vous avez compris hein, l'idée? Comme on a déjà fait moins l'infini, la seule possibilité pour qu'il y ait une autre asymptote horizontale, c'est en plus l'infini. Et ça se voit. Mais bon, ça, c'est pas une justification. Bon, bah, vérifions si on a une fois déterminé. Alors, donc ça, sur votre brouillon, exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. 2 fois plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Je rajoute 1 à plus l'infini, bah, ça fait toujours plus l'infini. Là, oui, j'ai une forme à déterminer. Bien, étant donné que j'ai une forme à déterminer, il faut lever l'indétermination. Pour lever une indétermination, il y a tout un tas de méthodes, tout un tas de techniques. Il y a par exemple le théorème du monome de plus haut degré. Bon, là, ça ne marche pas puisqu'on a des exponentielles. Le théorème du monome de plus haut degré marche lorsque nous avons des polynômes, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, après, on a la quantité conjuguée. Ah, mais la quantité conjuguée, ça marche vachement bien avec des racines carrées. J'ai pas de racines carrées non plus là. Quand vous n'avez pas de solution directe, quand vous n'avez pas de théorème direct, pensez à la factorisation. Toujours. Donc il faut lever la détermination. Ah, ce que j'écris, ne l'écrivez pas sur votre copie. Là, j'écris pour vous aider à comprendre, pour ensuite retravailler l'exercice. Donc, pensons à la factorisation. Oui, mais c'est bien beau de factoriser, mais factoriser par quoi? Je peux factoriser par 2, je peux factoriser par 1, je peux factoriser par ce que je veux, je peux factoriser par x, par x carré, par x cube. Eh bien, lorsque vous pensez à la factorisation, pensez toujours à factoriser, hein, donc pensez à la factorisation, dont le facteur commun sera le terme, alors je dis très familièrement hein, ici, ok? Donc dans les commentaires, ne commencez pas, ça se dit pas, je dis de manière familière, dont le facteur commun sera le terme le plus puissant. Hein, dont le facteur commun sera le terme le plus puissant. Le plus puissant, c'est-à-dire celui qui évolue, celui qui varie le plus vite. Bon, bah là, de toute façon, j'en ai qu'un. Bah, c'est certainement pas 2 ni 1. Le plus puissant, c'est l'exponentielle. OK? Enfin, dans la famille des termes en terminale, l'exponentielle reste toujours le plus puissant. Donc, f de x, je vais le réécrire différemment. Je vais factoriser au numérateur et au dénominateur par l'exponentielle. Attention, hein, j'ai bien dit dans le facteur commun. C'est-à-dire que le facteur que vous utilisez au numérateur doit être le même que celui que vous utilisez au dénominateur. Donc si au numérateur je factorise par exponentielle x, alors je factoriserai aussi par exponentielle x au dénominateur. Bah, au numérateur, je peux laisser comme ça, c'est déjà factorisé. Qu'est-ce que vous voulez que je factorise 2 exponentielle x et 2 exponentielle x? C'est déjà une forme qui est vraie, très réduite et voilà, factorisée. Par contre, au dénominateur, je peux écrire, alors attention, exponentielle x facteur. Qu'est-ce qui reste là si je factorise par exponentielle x? Il reste 1, pas 0, hein. Il reste 1.
Parce que si je développe, exponentielle x fois 1, ça fait bien exponentielle x. Alors, le problème se pose toujours pour les termes qui arrivent après. Les réels, les x, etc. On ne sait pas comment factoriser lorsqu'on écrit ce facteur commun devant. C'est très simple. Regardez. Une fois que vous avez écrit votre facteur commun, vous réécrivez le réel, le x, tout ce que vous voulez. Et vous le divisez par ce facteur. Toujours, 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 toujours. Quel que soit le facteur commun, ça se passe toujours comme ça. Et développé, vous verrez que vous retrouvez exponentielle x plus 1. Donc ma fonction n'a pas changé. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce que ça change, ça, à l'indétermination de la limite? Bah, ce qui change, c'est que, étant donné que exponentielle x est un facteur, et ici aussi, les exponentielles x s'annulent. Et donc ma fonction peut se réécrire 2 sur 1 plus 1 sur exponentielle x. Et vous allez voir que ça va tout changer. Alors, allons-y par morceaux. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2, du numérateur, ça fait quoi? Bah, la limite d'un réel, c'est le réel lui-même. Donc c'est 2. Et le dénominateur, donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur exponentielle x, 1 sur l'infini. Faites, je sais pas, moi, sur vos calculatrices, pour ceux qui ne sont pas convaincus, faites 1 divisé par 1 million. Vous verrez que ça se rapproche de 0. Donc 1 sur l'infini, ça fait 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, bah, c'est 2 sur 1, ce qui fait bien 2. Conclusion, on a bien une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Voyez la factorisation? Ça marche vachement bien quand on n'a pas de théorème en application directe. Ça aurait été vrai aussi si on avait eu des logarithmes népériens. On aurait utilisé la factorisation. Mettez sur pause. Bon, graphique, je peux le supprimer. J'en ai plus besoin pour le moment. Alors, question 3. Calculer f' de x. Ok, donc f' de x, la dérivée. Et vérifier. Alors, ça, c'est plus intéressant. On doit vérifier que f' de x peut s'écrire f de x sur exponentielle x plus 1. Bon, avant de vérifier ça, déjà, ce serait bien de déterminer f' de x. Alors, f' de x. Bah, f de x a la forme u sur v. OK. Donc, la dérivée, ce sera u' v moins uv' sur v carré. Donc u égale 2 exponentielle x, v c'est exponentielle x plus 1, que vaut u prime et que vaut v prime. On a ici attention aux constantes. C'est important, bon, je répète beaucoup dans mes vidéos de microéconomie. Enfin, pour ceux qui font des études de sciences économiques, vous verrez que c'est important. Mais je le dis aussi, même pour un niveau terminal, les constantes multiplicatives, okay, donc c'est-à-dire une constante qui multiplie la variable que je dois dériver, une constante multiplicative, elle reste toujours, que ce soit dans les dérivées ou dans les primitives. Les constantes additives et soustractives, elles, disparaissent.
mais les constantes multiplicatives restent. Donc le 2 reste. Et quelle est la dérivée d'exponentielle x? C'est exponentielle x. Ok, donc c'est la même chose. Et là, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc on y va, on peut tout combiner. Donc u', on aura 2 exponentielle x fois v. Alors attention, parenthèse. Hein. Le u' multiplie tout le v. Hein, moins u, donc 2 exponentielle x, fois v' exponentielle x. Le tout sur exponentielle x plus 1 au carré. Ok, je vais développer le numérateur, donc 2 exponentielle x multiplié par exponentielle x. On a un exponentielle x qui multiplie un exponentielle x, il va se retrouver au carré. Donc on aura 2 exponentielle x au carré. 2 exponentielle x fois 1, ça fait 2 exponentielle x, moins, et là pareil, exponentielle x fois exponentielle x au carré. Bien. Ça va simplifier, vous le voyez bien. Le 2 exponentielle x au carré se simplifie avec l'autre, le négatif. Et donc, il reste 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Ok. Et moi, je dois montrer que la dérivée, c'est aussi f de x sur exponentielle x plus 1. C'est tout ça, f de x, sur exponentielle x plus 1. Bon. Je ne suis pas très loin, mais j'y suis pas encore. Bon, là, il y a un truc à voir. Regardez, si on raisonne de manière méthodique. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est que je voudrais, j'ai pas envie du carré. Parce que là, il n'y a pas de carré dans ce que je dois montrer. Ok. Comment on pourrait se débarrasser du carré? Il suffirait de diviser par exponentielle x plus 1. Parce que du coup, vous savez que la même chose, je ne sais pas, a au carré sur a puissance 1, ça fait a puissance 2 moins 1, ça fait a. C'est-à-dire que quand vous avez la même chose qui se divise, mais à deux puissances différentes, vous pouvez soustraire les puissances. Donc si j'arrivais à avoir exponentielle x plus 1 ici, en bas, là, j'aurais exponentielle x plus 1 puissance 2 moins 1. Donc déjà, j'aurai exponentielle x plus 1. Est-ce que j'ai le droit, comme ça, de diviser au dénominateur par quelque chose? Oui, à la seule condition que vous le faites aussi au numérateur. Donc, je fais tout plus de place, mais ça va aller. Donc, imaginez-vous que vous ayez A sur B. Vous avez un quotient A sur B. Et vous avez envie de diviser par C. Le B, là, le B, vous voulez le diviser par C, parce que vous dites que ça se simplifie, comme j'ai expliqué précédemment. Vous pouvez le faire, à condition de diviser aussi A par C. Parce qu'en fait, les C s'annulent, et vous retrouvez toujours A sur B. Donc c'est une modification mathématique qui est possible. Allons-y. C'est-à-dire que, alors, je vais juste mettre là-bas, pour avoir un petit peu plus de place. Donc le numérateur, je vais tomber dans le reflet, mais c'est pas grave, on va le voir. Donc le numérateur, ce sera 2 exponentielle x sur ce que je veux là diviser, donc c'est-à-dire exponentielle x plus 1. Et le dénominateur, ce sera exponentielle x plus 1 au carré sur exponentielle x plus 1. Vous voyez? J'ai divisé par la même chose au numérateur et au dénominateur. Ma fraction principale, c'est toujours la plus grande, là, celle qui est juste au niveau du signe égal. Et c'est bon. Ça ne change pas ma dérivée.
Et donc ça, on est d'accord que c'est toujours la dérivée, hein, tout ça. Et donc, eh ben, ça c'est quoi là, le numérateur? 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1, ben, c'est justement f de x. Donc au numérateur, j'ai f de x. Et au dénominateur, on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les puissances, là, le 2, on va lui retirer une puissance, et on retrouvera bien exponentielle x plus 1. Voilà, c'est QFD. Oui, donc quand vous êtes entre guillemets paumé, quand vous êtes perdu, que vous vous dites, oh là, il n'y a pas de solution, ça. Bah, tentez quelque chose, regardez le visuel, on va dire, de ce que vous voulez obtenir. Dites-vous comment, peut-être en essayant un truc, parce qu'en maths, il faut essayer, c'est pas. Hein, tout ne vient pas comme ça. Et là, je me dis, bah, déjà, le carré pose problème. Donc la seule solution pour l'enlever, c'est que je divise par la même chose, pour que les puissances se soustraient. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut, et en fait, ah bah oui, bah du coup c'est bon, j'arrive à quelque chose. Il est évident que si on veut vous faire parvenir à ça, c'est que normalement vous ne devez pas bloquer très longtemps. Bien, donc j'efface tout. Enfin, ça, hop. Alors on vous demande de montrer que la fonction f est croissante. Alors, comment on détermine le sens de variation d'une fonction? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le signe de la dérivée. Étudions le signe de f' de x. Alors vous avez le choix, soit vous prenez le f' tel qu'on l'a montré là ici, hein, c'est-à-dire f de x sur exponentielle x plus 1, soit vous prenez l'expression qu'on avait trouvée précédemment, c'est-à-dire on avait dit que f' de x était égal à 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. C'est comme vous voulez. Hein. Moi je pense que celle-ci est plus directe. Plus directe. Bien sûr, on travaille sur R tout entier. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Une exponentielle, c'est toujours positif. Enfin, toujours positive. 2, c'est toujours positif. Au dénominateur, on a un carré. Donc, un carré, c'est toujours positif. Bon, n'hésitez pas à l'écrire. Hein. Vous pouvez faire des phrases hein, en disant une exponentielle est toujours positive. Mais en gros, si on établit le tableau de signes, alors, on va quand même mettre une ligne au numérateur. Une ligne pour le dénominateur, une ligne pour la dérivée et une ligne pour les variations de la fonction. Et puis, bah voilà. Hein. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? N'oubliez pas qu'en moins l'infini, la limite elle est de 0 et en plus l'infini, la limite elle est de 2. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre dans le tableau. Voilà, à partir du moment où on dit une exponentielle est toujours positive, ben c'est tout, hein, ça s'arrête là. Hein. Quand on aurait eu 2 exponentielle x moins 6, là oui. Mais sinon. Donc f est bien croissante. Hein. N'écrivez jamais ça, hein. Attention. N'écrivez jamais, par exemple, bon, imaginez-vous qu'au début de l'exercice, on ne vous a pas demandé de déterminer les limites en moins et en plus l'infini, et vous construisez votre tableau de variation, et vous voulez les mettre dans votre tableau, n'écrivez jamais que f de moins l'infini égale 0. Ça ne s'écrit pas, hein. Ne mettez pas des infinis comme ça en les considérant comme des simples antécédents. Ça ne marche pas. Tout ce qui est infini, ce sont des limites. En tout cas pour leur écriture mathématique.
Bien. J'étais sur pause. Ouais, je vais garder F'. Mais par contre, ouais, du coup, ça, je peux l'enlever, c'est la même chose. Mais je vais prendre le F'. Enfin, celui avant là. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont demandé de démontrer ça. C'est pas. Je trouve que ça simplifie pas du tout les choses. Donc, on va prendre le F'. 2 exponentielle x, là, celui qu'on a utilisé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Montrer que la courbe de la fonction f, donc montrer que c passe par un point i de coordonnées 0, 1, et que sa tangente a pour coefficient directeur 0,5. Bien. Pour montrer que la fonction f passe par ce point, il suffit quoi? Il suffit de quoi? Bah, il suffit de montrer. Montrons que f de 0 est égal à 1. Si je remplace l'abscisse dans la fonction f et que je trouve l'image du point i, bah, la courbe passe forcément par ce point. L'image de l'abscisse par la fonction est égale à 1. Donc, on y va. F de 0, ça fait 2 exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 1. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on a 2 sur 1 plus 1. Donc, ça fait bien 1. C'est bon. Donc la courbe CF passe par le point I. Bon, c'est très schématique, hein. J'ai pas fait assez convexe ici. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, on nous demande de montrer que sa tangente a pour coefficient directeur 0,5. C'est-à-dire que si je prends le point i, donc il a les coordonnées 0, 1. Donc il est ici, en rouge. Okay, ça, c'est le point i. Et que je trace sa tangente. Encore une fois, c'est schématique. Hein. Je dois montrer que le coefficient directeur de la tangente qui est en rouge est égal à 0,5. Sauf que le coefficient directeur d'une tangente, donc le coefficient directeur d'une tangente, est donné par le nombre dérivé. Par le nombre dérivé du point d'abscisse correspondant. Et inversement, le nombre dérivé, ça permet de déterminer le coefficient directeur d'une tangente. Donc le coefficient directeur d'une tangente, c'est donné par le nombre dérivé du point d'abscisse correspondant. Bah, le point d'abscisse, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois calculer tout simplement f' de 0, c'est-à-dire le nombre dérivé en 0. Et si ça fait 0,5, jackpot. Donc, on a 2 exponentielle de 0 sur exponentielle de 0 plus 1 au carré. Ça fait 2 sur 4, ça fait bien 0,5. Pensez toujours à ça. Dès qu'on vous parle de tangente, oh, nombre dérivé. Tangente, nombre dérivé. Tangente, dérivé. Ou fonction dérivée. Bon,
Désolé pour l'esthétique de mon écriture. Bon, je pense que c'est quand même lisible. Pourtant, j'ai pas fait d'études de médecine. Bon, c'est que la partie B qu'on va s'amuser. Là, c'était l'entrée. Ça va, hein? N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Je lis tous les commentaires. Quitte à devoir faire même une vidéo et vous mentionner dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Bien, mettez sur pause pour ceux qui n'ont pas fini de recopier. Partie B. Alors, dans la partie B, ils ont mis un long blabla, mais pour pas grand-chose, en fait. Hein, on va le lire, mais... Alors, on nous dit qu'une entreprise souhaite fabriquer de façon automatisée des flûtes de forme allongée, de contenance 12,5 cl. Chaque flûte est composée de deux parties. On a un pied, en verre plein, et un contenant de 12,5 cl. À l'aide de la fonction de la partie A, donc celle qu'on vient d'étudier, le fabricant modélise le profil du contenant de la flûte de la manière ci-dessous. Soit A, vous avez un graphique, hein, je crois à la page, juste au début de la page suivante. Vous avez un graphique, donc regardez le graphique et lisez l'énoncé en même temps. On vous dit soit A, un point donc, de la courbe d'abscisse petit a. Bien sûr, on vous dit qu'il est strictement positif. La rotation autour de l'axe des abscisses, appliquée à la partie donc, de C limitée par les points I et A, engendre une surface modélisant le contenant de la flûte en prenant pour unité 1 cm. Bon, ça, vous mettez de côté. Ainsi, X et F de X représentent des longueurs en centimètres. Bon, ça, c'est important. Hein. Ça veut dire que sur votre axe, ce sont maintenant des centimètres. Donc, en gros, l'abscisse 2 veut dire qu'il y a 2 cm. Et l'objectif est de déterminer la valeur de petit a pour que le volume soit de 12,5 centilitres. En fait, c'est la partie de là, c'est la fin de l'énoncé là qui est importante. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la valeur de petit a que vous voyez sur le graphique. Bon, je ne vais pas le reproduire parce que c'est compliqué. Mais vous voyez donc que petit a, il est entre 9 et 10, là, qui correspond à un point A. Donc petit a, c'est une abscisse. Et on veut déterminer cette abscisse pour que le volume du contenant soit de 12,5 centilitres. Mais vous allez voir que on va procéder question par question et on peut laisser de côté complètement... toute cette partie d'énoncé ne nous intéresse vraiment plus, hein, je vous assure. Alors, je vais enlever la dérivée, je vais mettre l'autre formule qu'on nous donne, puisque on vous dit qu'on admet que le volume V de A de ce solide en centimètres cubes est donné par donc V de A égale pi intégrale de 0 à A de F de X carré dx. On verra ce qu'on en fait un peu plus tard. Donc en gros, vous avez un axe ici et ici, donc vous avez des centimètres. Ouais. Et vous avez une sorte de ici là de cylindre. Okay. Hop, comme ça. Et le volume de ce cylindre, il est donné bah, logiquement hein, en centimètres cubes. Le volume, ce sont les unités au cube. Le carré, si on s'était intéressé à l'air, va d'une surface, en tout cas, ça aurait été des centimètres carrés. Ça va pour... retenez ça, en fait. Hein. Voilà, les centimètres et le volume en centimètres cubes. Bon. Donc, reproduisez-le si vous voulez, ou notez-le directement si vous avez imprimé le sujet. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est déterminer la valeur de ce petit a, là, qui est là, pour que ce volume, alors attention, pas 12,5 centilitres, mais on verra tout à l'heure, en gros 125 cm cubes. C'est pareil. Voilà. Quelle doit être la valeur de A pour que le volume soit égal à ça? Et ça, on y répondra dans la dernière question. Bon, si vous avez compris le contexte, donc vous voyez, oubliez tout ce charabia, il ne sert à rien ici.
Voilà, bon, je vais le laisser, j'aurai la place pour faire la question. Alors, première question, on vous demande de vérifier. Attention, vérifier, donc il va falloir le prouver, hein, le justifier par démonstration mathématique, que pour x positif, on a f de x carré qui est égal à 4 facteur de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Ça, je dois le démontrer. Avant de s'intéresser à ça, là, la partie droite, on va dire, de l'équation, intéressons-nous à la partie gauche, f de x au carré. M'accordez que f de x au carré, c'est f de x fois f de x. Bah, f de x, on connaît. Bah, il suffit de multiplier deux fois. Donc 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 multiplié par 2 exponentielle x. Exponentielle x plus 1. Jusque-là, pas de problème. On regroupe les numérateurs et les dénominateurs. Donc 2 exponentielle x multiplié par 2 exponentielle x. Les deux se multiplient. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et exponentielle x fois exponentielle x, ça fait exponentielle x au carré. Et les dénominateurs, bah, c'est la même chose, hein. Exponentielle x plus 1 multiplié par exponentielle x plus 1 fait exponentielle x plus 1 au carré. Et là, je ne peux plus simplifier dans l'état. Je ne peux pas aller plus loin. Bah, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est quand même assez loin de ça, hein, de la partie droite. Donc, si vous voulez passer de ça à ça, bon, c'est vous qui voyez, bon courage. Moi, je vais plutôt prendre ça et je vais montrer que c'est égal à ça. Parce que si j'arrive à prouver là, que la partie à droite est égale à ça, bah, du coup, j'aurais prouvé que ça, c'est bien f de x au carré. Donc, prenons cette partie-là. Donc, 4 facteurs donc, de exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Plus moins exponentielle x. Alors vous allez voir, c'est perturbant de mettre plus moins, mais c'est un petit, c'est utile pour la suite. Allez, on y va, on va simplifier ça. Bah, on va commencer par développer le 4. On va distribuer le 4. Donc on aura 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Plus moins 4 exponentielle x. Sur exponentielle x plus 1 au carré. Qu'est-ce qui serait cool ici? Ce serait qu'on ait le même dénominateur. Comme ça, on peut tout mettre sur le même dénominateur. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir le même dénominateur? Bah, ici, j'ai ça, mais au carré. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir au carré? Ben, il faut que je multiplie par lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse. Bon là, j'y vais doucement. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut que je fasse exponentielle x plus 1 plus facteur de exponentielle x plus 1. Et ça fera exponentielle x plus 1 au carré. Mais ce que je fais au dénominateur, je dois le faire au numérateur. Voilà. Et ça, j'y touche pas. Alors, le plus moins, là, on va s'en débarrasser rapidement. Plus moins, ça fait moins. Donc, n'hésitez pas à écrire ça comme ça. Du coup, je peux regrouper bah, sur le même dénominateur. Donc, on aura 4 exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins 4 exponentielle x, le tout, sur exponentielle x plus 1 au carré. On développe 4 exponentielle x fois exponentielle x. Maintenant, on est habitué, ça fait 4 exponentielle x carré. 4 exponentielle x fois 1, ça fait 4 exponentielle x. Et on recopie le moins 4 exponentielle x.
le tout sur l'exponentielle x plus 1 au carré. Mettez sur pause pour d'abord regarder. Vous avez le temps ensuite de rembobiner pour écrire tranquillement la correction. Les 4 exponentielles x s'annulent. Ça fait 0. Et donc, il reste bien 4 exponentielle x au carré sur exponentielle x plus 1 au carré. On est retombé sur la même chose. Donc, on peut dire que ça, c'est égal à f de x au carré. Je pensais que j'aurais dû effacer, mais ça, je l'efface. Yes. Bien, donc là, mettez sur pause pour recopier tranquillement. Donc ça, maintenant, hop, c'est plus une interrogation. On vient de le démontrer. Alors, vous venons de déterminer une primitive, donc vous avez les deux fonctions, donc de g de x, exponentielle x sur exponentielle x plus 1, et h de x, moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Je ne sais pas si vous le voyez, mais g de x, c'est ça, et h de x, c'est ça. On n'en dit pas plus. Alors, donc g de x égale exponentielle x sur exponentielle x plus 1. C'est la même écriture que d'écrire ça. C'est la même chose, ça veut dire g de x. Bon, une primitive. Alors, vous savez que pour les primitives, il faut avoir un petit instinct. C'est-à-dire, il faut voir les choses. Bon, si je dérive mon dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le numérateur. Donc, g de x doit vous faire penser à la forme u' sur u. Si je dérive le dénominateur, j'obtiens le numérateur. Là, je ne peux pas mieux faire, parce que il faut le voir. C'est tout. Quand vous avez des quotients, si, je pourrais rajouter le fait que quand vous avez des quotients, testez. Testez toujours. Dérivez le dénominateur et voyez si vous retombez sur le numérateur. Pourquoi? Parce que ça veut dire, du coup, que la primitive, ce sera ln de u. Alors normalement, il faudrait mettre ln de valeur absolue de u, mais je vais vous expliquer pourquoi ici, c'est pas important. Et du coup, g de x, c'est ln. Alors attention, u, c'est le dénominateur. Donc c'est ln de exponentielle x plus 1. Pourquoi je ne mets pas de valeur absolue? Parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire le ln d'un nombre négatif. Donc, ce qui est à l'intérieur d'un ln doit toujours être positif. C'est bon, exponentielle x est toujours positif, plus 1 c'est toujours positif. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les deux barres de la valeur absolue. Ok, ce n'est pas le plus difficile, vous allez voir, c'est h qui va être plus difficile à trouver. Alors justement, parlons-en de ce h. C'est moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Enfin, c'est plus, ils mettent le plus devant, non? Ah oui, non, c'est bon, je comprends pas. Je pensais qu'ils mettaient plus, moins, comme ici, mais non. Enfin, c'est pas grave, mais je voulais respecter l'écriture de l'énoncé. Bon, voilà quoi. Ah oui, hein. Faut aussi voir le truc. Bon, vous êtes d'accord que si je pose u toujours exponentielle x plus 1,
vous m'accordez que U', c'est toujours exponentielle x. Ok. Je vais mettre le 1 un petit peu plus près. Oui. Du coup, vous êtes d'accord avec moi que moins U', c'est moins exponentielle x. Et donc, du coup, h a la forme moins U' sur u au carré. Et donc, moins la dérivée de exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au carré. Et la primitive de ça, c'est 1 sur u. Eh oui, faut le voir. C'est 1 sur u. Donc h de x, c'est tout simplement 1 sur exponentielle x plus 1. Le u n'inclut pas le carré, hein. Attention. Hein. Et on distingue bien le u du carré. C'est pareil, donc quand vous avez un dénominateur avec un carré, pensez tout de suite, en premier lieu, à la forme moins u' sur u carré, donc 1 sur u. Tout comme là, quand vous avez un quotient avec aucune puissance, pensez à la forme peut-être u' sur u, donc ln de u. Si ça ne marche pas, eh ben, on verra si à l'occasion je ferai d'autres vidéos sur ce où on nous posera à peu près les mêmes questions, bah, on verra quelle autre technique on adoptera. Il faut diversifier son apprentissage et son contenu. Parce que plus vous diversifiez votre apprentissage et votre contenu, eh bien plus vous allez remarquer facilement, on va dire, les formes de primitives. Parce que si vous faites toujours les mêmes exercices, bah, vous serez toujours comment dire, bah, vous n'aurez que quelques formules dans votre esprit, et du coup, ce sera beaucoup plus difficile pour repérer d'autres formes. Bien, mettez sur pause pour recopier. Bien, alors je vais juste recopier donc les fonctions g et leurs primitives. Donc g de x, exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Oui, d'ailleurs, on disait déterminer une primitive. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, j'ai pas ajouté de constante après, parce que je considère que la constante vaut 0. C'est tout. Donc c'est ln de exponentielle x plus 1. Ne vous embêtez pas à rajouter des constantes, hein. Vous allez devoir déterminer une intégrale, vous allez vous embêter avec des constantes pour rien. Et h de x, il vaut moins exponentielle x, donc sur exponentielle x plus 1 au carré. Et ça, ça donne 1 sur exponentielle x plus 1. Bien. En déduire v de 1. Donc là, c'est la plus grosse question à laquelle on a affaire. En déduire v de 1. Bon, déjà, on voit une chose, c'est que il y a une intégrale. Donc, qui dit intégrale dit primitive. Ok. On voit que c'est l'intégrale de f de x carré, que je connais. Et de f de x carré, pardon, c'est tout ça. Donc, regardez, si je l'écris en écrivant f de x carré, donc on aura v de a égale à pi intégrale de 0 à a, donc de tout ça. N'oubliez pas le dx à la fin. Vous êtes d'accord que le 4 multiplie le tout. Le 4 est une constante. Et oui, ce qui est formidable avec les propriétés des intégrales, c'est que les constantes, lorsqu'elles sont multiplicatives, et attention, qu'elles multiplient la totalité des termes de l'expression, comme ici, hein, 4 multiplié par le tout, la constante peut sortir de l'intégrale. On peut donc écrire 4π intégrale de 0 à a de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus ou moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré dx. Ok, première étape. Donc la constante, elle sort.
Pour déterminer une intégrale, nous devons déterminer la primitive. Bah, on les a, non? La primitive de ça, c'est quoi? Ah, c'est ln de l'exponentielle x plus 1, plus, et la primitive de la deuxième, c'est 1 sur l'exponentielle x plus 1 entre 0 et 1. Voilà pourquoi on vous a fait faire tout ça. Hein. C'est pour vous simplifier la tâche pour cette question-là. Alors ceux qui se disent, on a le droit de dire que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives? Oui. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc, je ne sais pas, moi, si vous avez une fonction, on va prendre autre chose, on va prendre i de x. Si vous avez une fonction i de x, c'est, je ne sais pas moi, a de x plus b de x. Oui, donc, vous avez une fonction, et cette fonction, c'est la somme de deux fonctions. Eh bien, la primitive de i, ce sera la primitive de a, plus, c'est un b, hein, plus la primitive de b. Voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Et là, maintenant, on va remplacer. Alors, on va se calmer, ça, quand même. Bon, j'écris un petit peu gros. Bon, je vais encore faire une ligne et ensuite j'effacerai. Alors, je vous rappelle. Donc, le 4π reste. Vous n'y touchez pas. Qu'est-ce que je fais? Je remplace par la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, grand f de x entre a et b. C'est grand F de B moins grand F de A. Donc je remplace par la borne supérieure moins, et ensuite je remplace par la borne inférieure. Donc on y va mollo. Donc on aura ln de exponentielle A plus 1 plus 1 sur exponentielle A plus 1. J'ai juste remplacé les x par A. Moins, et je remplace maintenant les x par 0. Je mets une parenthèse parce que le moins, il inclut le tout. Faites attention. On aura ln de exponentielle 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc ln de 2 plus 1 sur exponentielle de 0, 1, 1 plus 1, 2. Voilà. Et je ferme le crochet. Le crochet ici n'a plus le sens de déterminer la primitive. Hein. C'est juste que je mets un crochet parce que comme j'ai des parenthèses, je mets des crochets au-dessus. Et là, ça y est, on est parti dans le calcul. Maintenant, on va simplifier tout ça et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, on vous demande de vérifier que c'est égal à quelque chose de précis. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense que si vous voyez ce qu'on vous demande de déterminer, vous voyez qu'on a le 1/2, on a le 1 sur exponentielle a, on a le ln. Bon, il suffit juste de faire encore quelques petites modifs, là, une modif, et puis c'est terminé. Alors, c'est égal donc à 4π. Donc, facteur de, bon, ln de exponentielle a plus 1, pour le moment, je le laisse. 1 sur exponentielle a plus 1 aussi. Je vais juste distribuer le moins, là, à l'intérieur, des donc au terme de la parenthèse. Donc, on aura moins ln de 2, moins 1/2. Ça va? Oui. Je vais juste regrouper les ln ensemble. C'est-à-dire, je vais les mettre côte à côte. Donc 4π, facteur de ln exponentielle a plus 1, moins ln de 2. Vous voyez, je les mets juste côte à côte hein, pour le moment, et je recopie le reste. Mmh.
LN2A moins LN2B. C'est quoi? LN2A moins LN2B, c'est LN2A sur B. Donc, ln de exponentielle a plus 1 moins ln de 2, c'est ln de exponentielle a plus 1 sur 2. Ouais. J'applique la propriété. Et je recopie le reste et nous tombons sur ce qu'il fallait démontrer. Voilà la valeur de V2A. En fonction de petit a. N'oubliez pas que V de A est exprimé en centimètres cubes. C'est pas la question suivante que je dis ça. Hein. Donc V de A, j'écris ça comme ça, ce sont des centimètres cubes. C'est un volume. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous demande? De déterminer avec la calculatrice une valeur approchée de petit a à 0,1 près, hein, donc au dixième, sachant qu'une flûte doit contenir 12,5 centilitres, ça c'était l'objectif de la partie, hein, depuis le début, c'est-à-dire 125 centimètres cubes. Donc nous, on veut que V de A soit égal à 125. Vous êtes d'accord? Et non pas 12,5. Le piège, ce serait, là, ça aurait été d'écrire que V de A égale 12,5. Non. V de A, c'est des centimètres cubes, donc 125. Et ça, vous devez le faire avec votre calculatrice. Bah, écoutez, il n'y a pas 36 solutions, vous allez dans le menu table, vous rentrez la fonction V2A. Ah, je ne peux pas, donc je vais expliquer hein, du mieux possible au maximum. Donc vous êtes dans votre menu table, soit les calculatrices graphiques, soit les calculatrices collège, peu importe. Vous tapez V2A, alors faites attention aux parenthèses, hein, je vous le conseille. Parce qu'il suffit qu'il y ait une valeur qui s'est terminée. Alors le rang. Donc le rang, hein, c'est de où à où on doit calculer. Bah, déjà, on sait que A est positif. Donc le rang, commencez-le à 0. Et puis moi, je ne sais pas. Attention, sur le graphique, vous voyez que petit a est compris entre 9 et 10, si vous regardez le graphique. Ça ne veut pas dire, ils le disent hein, dans l'énoncé. Il y a une phrase où il est dit que ça ne veut pas dire que A est compris entre 9 et 10. Donc je ne sais pas, moi, essayez, allez de 0 à 15 pour commencer. Vous allez de 0 à 15, et puis le pas, le réglage du pas, bah, vous allez de 0,1 en 0,1, puisque nous on veut une valeur au dixième près. Vous voyez, donc vous fixez votre rang, donc votre intervalle entre 0 et 15, vous allez de 0,1 en 0,1, et puis vous lancez, hop, vous cliquez sur, hop, puis vous lancez la programmation. Et puis normalement, vous allez devoir tomber à peu près sur 125. Si vous regardez bien, dans la colonne de gauche à 11,1, vous avez 124,49. Et à 11,2, vous êtes à 125,75. Mettez sur pause hein, pour le faire tranquillement par vous-même pour vérifier que vous obtenez la même chose que moi. Et donc, bah, c'est bon, hein, on est passé par 125. Maintenant, il faut choisir. Est-ce qu'on prend 11,1 ou 11,2? Bah, lequel est le plus proche de 125? Bah, je pense que c'est 124,49, hein, parce que les 49 centièmes sont plus proches de 125 que les 75e centièmes. Donc on dira que A vaut environ 11,1. D'ailleurs, dans la question, si vous regardez bien, on ne vous demande pas de justifier la réponse. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, tout ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire sous votre brouillon. Et vous dites juste sur votre copie que A est environ égal à 11,1. Bon, je ne sais pas si les collèges, elles vont arriver, ouais, elles seront capables de faire
là, la fonction entre 0 et 15 de 0,1 en 0,1. Ça fait beaucoup de valeurs quand même. Donc si ce n'est pas le cas, bah, c'est pas grave, vous réglez d'abord avec un pas de 1. Vous verrez que ça va être compris entre 11 et 12. Vous re-réglez votre machine entre 11 et 12 en allant de 0,1 en 0,1. Ça, normalement, vous êtes entraîné avec vos enseignants, donc ça devrait aller. Et d'ailleurs, vous pouvez donner l'unité, ce sont des centimètres ici par contre. A égale 11,1 cm. Mettez sur pause. Allez, dernière partie, même une dernière question hein, de l'exercice. Alors, on nous dit, un client commande un lot de 400 flûtes de 12,5 centilitres et constate que 13 d'entre elles ne sont pas conformes aux caractéristiques annoncées par le fabricant. Le responsable des ventes lui avait pourtant affirmé que 98% des flûtes vendues par l'entreprise étaient conformes. Le lot de ce client permet-il au risque de 5% de mettre en doute l'affirmation du responsable? Alors, ici, il y a deux choses. Nous avons une affirmation, écoutez bien. Nous avons une affirmation de quelqu'un, donc ici, ça, voilà, le responsable des ventes. Cette affirmation dit que 98% des flûtes sont conformes. On a donc une affirmation qui concerne ce qu'on appelle en statistique la population. La population ici étant décrite par l'ensemble des flûtes de 12,5 centilitres de contenant. Okay. Attention, population en statistique, ce ne sont pas forcément des êtres physiques, ce ne sont pas des personnes. Hein, ici, ce sont des flûtes. Vous voyez? Donc on a une affirmation qui concerne la population, donc notez bien. Que la population, ce sont les flûtes de 12,5 centilitres. Et la question porte sur le lot du client. C'est-à-dire, est-ce que le lot du client peut remettre en question cette affirmation? Okay? Donc, cette affirmation qui concerne la population pose la question de la confirmation qui concerne, elle, un échantillon. Vous allez comprendre hein, pourquoi j'insiste autant sur toutes ces choses. Qui concerne un échantillon. Pourquoi? Parce que la question, c'est le lot du client. Le lot du client, c'est-à-dire l'échantillon, permet-il de mettre en doute l'affirmation qui concerne la population? Donc nous, on veut une confirmation qui concerne un échantillon. Un échantillon, ici, on nous dit 400 flûtes. Donc on va noter N égale 400. Vous voyez, là, on a toutes les flûtes de 12,5 centilitres. Là, on a un échantillon de 400. OK. Alors, écoutez bien. Lorsque vous voulez confirmer, on va dire ça familièrement, lorsque vous voulez confirmer ce qui se passe dans un échantillon à partir d'une affirmation qui concerne une population, vous utiliserez un intervalle de fluctuation. Attendez, ce n'est pas fini. OK. J'utiliserai un intervalle de fluctuation. Je donnerai la formule après. C'est pas ça. Donc, nous, on sait qu'on doit utiliser l'intervalle de fluctuation. Mais moi, je vais vous donner l'autre cas pour éviter que vous tombiez dans le piège. Imaginez-vous maintenant que c'est l'inverse. Nous posons une affirmation
qui concerne un échantillon de N flûtes. Et nous souhaitons avoir une confirmation qui concerne une population. Ouais. Eh bien, vous devrez utiliser un intervalle de confiance. C'est à peu près la même formule, hein, je vous assure. C'est à peu près la même formule. Mais c'est juste les termes qui changent à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que ça, tout le monde, à chaque fois, les élèves, ils se pomment, ils se trompent, ils disent, est-ce que je dois prendre l'intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance? Et ben voilà, la configuration. Ça, notez-le. Hein. Faites-le partager, entre guillemets, pas pour faire de la pub pour la chaîne, mais faites-le partager. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent lors des épreuves. Ou même lors des DS, peu importe. Donc nous, on sait que dans le cadre de cet exercice, on doit utiliser un intervalle de fluctuation. Donc mettez sur pause pour recopier, pour vous imprégner. Ah oui, c'est bon, j'ai compris la différence. Et puis on y va. Alors bien sûr, en terminale, on ne vous embête pas avec les risques. Vous aurez toujours un risque de 5%. C'est-à-dire, on vous demandera toujours de déterminer des intervalles à 95% de sûreté. Bon, c'est pas compliqué. Je note juste la formule telle qu'on vous la donne. Voilà. C'est P plus ou moins 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur N. Attention, ça aussi, vous allez noter en rouge. Le P, on va le noter comme ça, c'est le pourcentage dans la population. Et pas dans l'échantillon. Hein. C'est-à-dire que c'est le pourcentage de l'affirmation. C'est le pourcentage de celui qui affirme la chose sur la population. Donc, il affirme que 98% sont conformes, donc P vaut 0,98. Je mettez-le tout de suite en décimale, ne vous embêtez pas avec 4, ne laissez pas 98%, c'est pas très joli. Donc, P vaut 0,98 et petit n, ben, on a dit que petit n, c'est la taille de l'échantillon. Il faut quand même le noter, parce que certains pourraient croire que c'est la taille de la population, mais non. C'est la taille de l'échantillon. Donc N égale 400. Ça va? Bah, on a juste à remplacer, hein. Donc ce sera 0,98 plus ou moins 1,96 racine de 0,98 fois 1 moins P, ça fait 0,02 sur 400. Et vous allez obtenir 0,966 pour la borne inférieure et 0,994 pour la borne supérieure. Quand je dis plus ou moins, vous comprenez, hein, ici c'est moins et là c'est plus, dans la formule. Enfin, de toute façon, ça vous l'avez dans votre cours, donc, peu importe comment on la note. Moi, ce que je voulais, c'est que vous compreniez la différence entre l'utilisation d'un intervalle de fluctuation et l'utilisation d'un intervalle de confiance. Attendez, on n'a pas fini de répondre à la question. Mettez sur pause. Pourquoi? Parce que la question c'est, est-ce que le lot du client permet de remettre en question l'affirmation? Bah, dans le lot du client, il y a combien de flûtes qui ne sont pas conformes? Il y en a 13. Donc dans N,
il y a 13 flûtes qui sont non conformes. L'intervalle qu'on vient de déterminer, est-ce que ce sont les flûtes qui sont conformes ou les flûtes qui ne sont pas conformes? Là, ça. Bah, attention, c'est un intervalle des flûtes qui sont conformes. Puisqu'on est parti de l'idée que, de l'affirmation, 98% des flûtes sont conformes. Donc ça, c'est un intervalle de conformité. Donc s'il y en a 13 qui sont pas, qui ne sont pas conformes, il y en a combien qui sont conformes? Ben, il y en a 423. Ouais. Autrement dit, il y a 387 flûtes conformes. Attention, hein, ne tombez pas dans le piège. Eh bien, vous allez prendre la proportion de flûtes. Alors, ça dépend. Bon, moi, je note FN, mais bon, c'est pas très important. On veut juste calculer la proportion dans l'échantillon. La proportion dans l'échantillon. Donc, je veux la proportion dans l'échantillon. Mais attention, ici, je veux la proportion de flûtes conformes. Bah, il y en a 387 qui sont conformes, et en tout, il y en a 400. Ça fait 0,9675. Ça veut donc dire que dans l'échantillon, il y a en fait 96,75% de flûtes conformes. Oui. Eh bien, vous allez simplement regarder si ce pourcentage appartient à l'intervalle de fluctuation. Bah oui. Attention, hein. On a 0,96,7, donc 0,96,7, c'est après 0,96,6. Donc le psi ça, FN, comme moi je note, il appartient à votre intervalle de fluctuation. Donc on répond par la positive, enfin plutôt par la négative, non, le lot ne permet pas de remettre en question l'affirmation du responsable. Donc le lot du client ne permet pas de remettre en question l'affirmation du responsable. OK. Étant donné que la proportion dans l'échantillon appartient à l'intervalle de fluctuation, eh bien on peut dire que le responsable, il a raison à 95% de dire qu'il y a 98% des flûtes qui sont conformes. Hein, en fait, il a raison de le dire. Parce que la proportion de l'échantillon appartient à l'intervalle qu'on a déterminé à partir de son affirmation. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Donc là, il fallait surtout éviter le piège, comme il y en a 13 qui ne sont pas conformes, mais moi j'ai un intervalle de conformité, donc on en a 387, on prend la proportion dans l'échantillon sur 400, et on vérifie que ça appartient ou ça n'appartient pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.